Aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, parce que c'est une première sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour le premier épisode de 100% OP. Donc 100% OP, 100% opinion, vous avez compris, voilà. Et le sujet du jour va être un sujet qui me touche vraiment et qui est censé par contre nous tous nous toucher, on va dire, tous les youtubeurs. Donc je fais cette vidéo et je vais justement demander à quelques chaînes communautaires d'upload cette vidéo, parce que voilà, parce qu'on est tous concernés, enfin je pense, après s'ils veulent pas, bah ils voudront pas, je ferai pas de forcing, et voilà. Et ainsi qu'à la chaîne ADN, donc une chaîne que je vous propose d'aller voir. Donc voilà, alors le sujet aujourd'hui est: quel regard portent les autres sur les youtubeurs? Alors, parce que ça m'est venu comme ça, mais je tenais vraiment à faire ça. Déjà je vais faire à différentes échelles, je vais organiser ma vidéo en différentes échelles pour que vous soyez pas perdus. Alors déjà on va rester au début à l'échelle de YouTube. Alors à l'échelle de YouTube, ce que j'entends par le regard des autres. Alors c'est à dire que quelqu'un qui vous connaît, il y a deux situations différentes. Quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos gameplays, qui est abonné, va arriver sur votre chaîne, va comprendre un peu votre style, pas votre style de vie, mais votre style de pensée, on va dire. Et va vous comprendre et va se forger un peu une opinion, même parfois il peut se baser sur ce que vous dites. Alors on ne détient pas la vérité, c'est pour ça que j'appelle cet épisode 100% opinion, parce que voilà, une opinion c'est ce que se forge chacun. Alors vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis ni d'être d'accord avec tout ce que je dis. Mais moi je fais ça dans le simple but de vous informer de ce qui se passe en fait autour de nous, autour des youtubeurs que vous regardez chaque jour. Donc voilà. Alors je disais à l'échelle de YouTube tout simplement. Donc il y a ceux, comme je le disais, qui regardaient votre chaîne, qui sont au courant de tout, qui approuvent certaines de vos paroles. Et il y a ceux qui ne connaissent pas et qui cherchent à vous connaître. Et enfin il y a une dernière catégorie, sont les gens, je vais pas dire que c'est des haters, parce que c'est pas forcément des haters, mais ils vont arriver sur votre chaîne, ils vont pas être du tout d'accord avec ce que vous dites, ils vont mettre sur, en commentaire par exemple, nul, nul. Alors voilà, alors ces gens là j'ai rien contre eux, c'est bon, je suis pas un haineux, tu vois, j'ai pas, voilà, mais je demande juste, quand ils mettent nul, d'argumenter un peu, parce que nous en tant que youtubeurs, on arrive, on nous dit nul, nul. Alors que veux-tu, enfin que veux-tu dire, tu sais même pas comment améliorer ta vidéo, tu sais pas ce qui plaît pas, tu sais pas, voilà. Donc les gens se permettent un peu de mettre tout et n'importe quoi derrière leur ordinateur, chose qu'ils ne feraient pas en face de vous, tout simplement. On va être clair, c'est clairement ça, le gars il est devant vous, vous faites une vidéo, il va pas oser vous dire nul, nul. Voilà. Enfin, on va dire à l'échelle maintenant de la famille. Donc ça c'est vraiment un sujet qui me touche énormément, parce que à l'échelle de ma famille, donc moi je vais prendre mon cas perso, comment ma famille a réagi quand je leur ai dit que je faisais des choses sur YouTube. Donc vous allez voir, c'est assez marrant les réactions. Donc tout d'abord mes parents m'ont dit, et je pense que c'est normal au début, à quoi ça va te servir, à quoi ça va te servir, parce que votre fils se lance, admettons, dans une carrière entre guillemets de youtubeur, parce qu'on peut pas appeler ça une carrière, puisqu'une carrière, enfin si, ça va se finir, mais ça se finit un peu plus vite, on va dire, une carrière de youtubeur c'est pas très très long. Et donc qu'est-ce que ça va t'apporter, les parents s'inquiètent, c'est normal, qu'est-ce que ça va t'apporter, qu'est-ce que tu vas faire de ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'affiches sur internet. Donc voilà, autant de questions qui peuvent inquiéter les parents alors que vous y avez pas forcément pensé. Et quand vous y avez pensé, pour vous tout paraît logique. Par exemple moi ma chaîne, voilà, j'éprouve un plaisir à m'exprimer en faisant des gameplays devant les jeux vidéo, parce que j'aime vraiment ça, enfin c'est ma passion, voilà. Et chacun sa passion, j'ai envie de dire. Parce que des gens qui vous critiquent, si tu viens critiquer leur passion, là ils commencent à s'emballer tout ça. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais voilà, c'est comme ça. Donc, franchement, si vous choisissez de vous lancer en ce moment sur YouTube, même si c'est très très dur parce qu'on est de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à expliquer à vos parents tout d'abord pourquoi vous faites ça, et vous-même réfléchissez pourquoi vous faites ça.
si c'est pour l'argent, laissez tomber tout de suite. Parce que si c'est pour l'argent, par exemple, vous allez faire des vidéos sans forcément de conviction. Et ça va se ressentir, et là, ça ne va pas marcher. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, honnêtement, je fais ça pour le... C'est ma passion. C'est, voilà, c'est le plaisir de partager des choses avec vous. J'espère que vous me comprendrez. Voilà. Donc, voilà. Et il y a même... on va rigoler un peu. Il y a même, par exemple, les grands-parents qui vont arriver, qui ne connaissent pas forcément YouTube, parce que c'est quand même... Enfin, de leur époque, ils n'avaient pas déjà Internet. Donc, ils se débrouillent quand même. Je vais pas dire, mais mes grands-parents se débrouillent quand même pas mal sur Internet. Mais quand tu leur parles de YouTube, tout de suite, c'est... Et qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que c'est. Et donc là, au moment où tu leur expliques que des gens regarderont tes vidéos, tout ça, c'est... Ah, mais c'est pas un peu dangereux, tout ça. Donc non, rassurez-vous, rassurez-les, c'est pas dangereux. Donc justement, en parlant de dangereux, je vais vous donner un cas où ça peut être dangereux. Ça va être maintenant au niveau des amis, enfin des amis du collège, du lycée, de la fac, ou même du travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous vos amis... Moi, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, je l'assume maintenant. Et encore, c'était pas une grosse bêtise parce que j'étais fier et les gens ont beaucoup aimé ce que je faisais sur ma chaîne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je publiais sur mon compte Facebook... je publiais toutes mes vidéos, sauf que ce que j'avais oublié, et ben c'est que tous mes amis ne sont pas fans de jeux vidéo, tous mes amis ne sont pas gamers, ce qui fait que les gens regardaient mes vidéos et trouvaient ça nul. Donc voilà. Et il y a des petits rigolos qui s'amusent parce qu'ils ont rien d'autre à foutre, on va être clair, et ils ont aucune envie, c'est de vous descendre parce que eux ils font forcément rien de leur doigt. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre votre vidéo. Et admettons que par exemple, moi je prends mes premières vidéos où j'étais pas à l'aise, on va dire, parce que c'était mes premières, il fallait apprendre à parler, faut apprendre à s'adresser aux gens, faut vraiment improviser, enfin, tout ça c'est pas simple. Et ils vont s'amuser à prendre ta vidéo, à la balancer par exemple si vous avez un groupe de collège, un groupe machin, à la balancer sur le groupe, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez subir soit des moqueries, ou alors vous avez fait une super vidéo, et là par contre, vous êtes propulsé, on va dire, vers le haut. Ça, par contre, honnêtement, en tant que débuteur youtubeur, bien joué, Thomas, bien joué. En tant que youtubeur débutant, ça arrive très peu. Donc voilà, donc évitez de mélanger, à mon avis, vie privée et YouTube. Parce que c'est pas forcément le bon ménage, on va dire. Sauf si vous avez des amis vraiment gamers, comme je vous le disais tout à l'heure. Des amis gamers. Ils vont apprécier, ils vont partager vos vidéos à bloc et ça va plaire, voilà. Vraiment c'est ça. Mais à mon avis, je suis vraiment pas le seul dans votre Facebook par exemple, je prends Facebook parce que c'est le plus grand exemple. On va dire qu'il va y avoir, je sais pas moi, sur 60 personnes, il va peut-être y avoir 20 gamers, donc voilà. C'est pas énorme. Donc il faut se dire ça, que vos vidéos ne sont pas susceptibles de plaire à tout le monde. Et du coup, vous risquez d'avoir des retombées, voire même des insultes. Bon, ça, c'est très rare. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé. Mais je prends d'autres exemples. Enfin, je vais pas les citer, mais vous voyez bien des chanteurs, on va dire. Entre guillemets. Donc voilà. Maintenant, à l'échelle des amis. Alors, à l'échelle des amis, vous avez deux types d'amis. Vous avez les amis qui vous voient tous les jours, qui ne sont pas passionnés par les jeux. Parce que moi, je vois encore que des jeux sur ma chaîne, hein. Donc voilà, qui sont pas passionnés par les jeux, mais qui vont régulièrement sur YouTube. Et ses amis vont comprendre, on va dire, vont comprendre, vont liker ou disliker et vont se faire une idée. C'est-à-dire qu'ils vont pas forcément vous critiquer direct. Parce qu'il faut savoir que aller sur YouTube, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment avoir de la personnalité. Parce que si vous avez pas de personnalité, je suis désolé, mais c'est un peu entre guillemets foutu. Parce que dès le premier dislike que vous allez avoir, dès le premier commentaire, vous allez être mal dans votre peau, vous allez commencer, voilà. Faut voir ça. Donc, de la personnalité, du courage, se forger son propre opinion, et ça je le conseille vraiment. C'est-à-dire que au premier dislike que vous allez recevoir, vous n'allez pas vous dire « Ah bah ma vidéo ne plaît à personne ». Non, non. Votre vidéo, c'est pas parce qu'il y a un gars qui l'a disliké qu'elle ne plaît pas. Faut vraiment vous dire ça. Moi, je me permets de dire ça parce que on va dire que j'ai une petite expérience sur YouTube. Et une courte expérience, certes. Ça fait que 4 ou 5 mois que je suis sur ma chaîne, mais voilà. Et donc, je vous disais, pour revenir à mes amis, je me suis un peu égaré. Pour revenir aux amis, et ben tout simplement,
vos amis. Donc il y a ceux qui connaissent YouTube, qui vont eux-mêmes, qui vont pas s'amuser à balancer. Parce que voilà, ils savent à quelle vitesse ça va sur Internet. À quelle vitesse votre vidéo peut être divulguée, on va dire. Et il y a les amis, enfin que vous pensez amis, on va dire vos connaissances, qui, comme je le disais tout à l'heure, vont se faire un malin plaisir de vous rabaisser. Et ça, c'est très très lâche. Parce que eux, par exemple, admettons qu'ils vont faire du foot. Est-ce que vous allez aller les rabaisser quand ils font du foot? Non. Tandis que là, c'est une passion pour tout le monde. Et voilà, c'est vraiment, faut arrêter les critiques, on va dire, sans qu'elles soient fondées. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu éclairci sur ce qu'était YouTube. Pour ceux qui veulent se lancer, réfléchissez bien. Écoutez, je pense pas avoir dit la vérité, parce que j'ai pas la vérité en toute modestie. Je ne détiens pas la vérité, mais une bonne opinion, je pense. Voilà, une bonne opinion. Donc, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne si ça vous plaît. Commentez, likez et partagez cette vidéo. Et je vous dis peace!